Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la jeunesse et en tant que présidente du Réseau des jeunes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, je tenais à souligner l'importante contribution des jeunes, non seulement au niveau local et communautaire, mais au niveau national et international. Puisque je le sais, j'ai la chance de participer à des conférences, de faire partie des réseaux internationaux, et d'échanger avec des parlementaires de partout à travers le monde. Et on peut le voir, les jeunes veulent s'impliquer, veulent participer, veulent occuper des domaines non traditionnels pour les jeunes et on doit les appuyer. C'est notre ressource la plus précieuse. Nos jeunes, c'est notre avenir. Alors on doit investir, on doit fournir les ressources qu'ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. Mon message pour les jeunes aujourd'hui, c'est de toujours avoir confiance en soi-même, de foncer, de lutter, de persévérer. C'est ça la clé du succès. Je connais personnellement les défis associés avec être jeune dans des domaines quand même assez particuliers, comme la politique, par exemple, parce que j'avais 25 ans lorsque j'ai été élue pour la première fois au conseil municipal. Et encore aujourd'hui, je suis la plus jeune femme parlementaire à la législature de l'Ontario, ici au Canada. Il y a des défis, associés avec ça. Alors, on se le cachera pas, c'est pas facile, mais c'est en persévérant, en fonçant et en ayant confiance en nous-mêmes et en ayant le réseau, l'entourage qui nous appuie. Et les parlementaires qui nous appuient, les gens qui sont dans le processus décisionnel, très important. Alors, merci à tous ceux et celles qui contribuent, qui aident, qui veulent s'impliquer, qui veulent rendre notre société encore meilleure. On a besoin de vous. Alors, continuez de vous impliquer.